Bonjour à tous, pas de blabla, on attaque tout de suite. Donc la dernière fois, j'étais après le support d'alternateur que j'ai fini. Donc bon, il reste quelques finitions à faire et puis un coup de peinture. Voilà, fixé, fixé en dessous et au-dessus. Voilà, j'ai minimisé au maximum. Hein. Pas de perte de place, pile poil pour ma durite là. La courroie, bah, je ne sais pas si elle va rester comme ça pour l'instant. Ce que je crains un peu, c'est que j'ai un faible appui là, donc une faible surface. Alors bon, j'aurai pas trop de consommateurs, hein, mais je sais pas si ça. En attendant bien, normalement, ça devrait aller, mais si elle se détend un peu, elle pourrait patiner facilement. Alors je sais pas, je verrai si je modifie ça autrement ou pas. On verra par la suite. Donc là, eh ben, je vais l'enlever du support. Et on va s'attaquer à l'autre côté. Volant, moteur, embrayage et tout ce qui s'ensuit. Donc avant d'aborder le circuit d'essence, comme indiqué dans le titre, on va s'occuper de finir ça vite fait. Il n'y en a pas pour longtemps. We'll be right back.
c'est pas pour rien que je vais m'embêter à mettre un réservoir tampon, une pompe basse pression et une pompe haute pression. C'est tout simplement car le réservoir d'origine est prévu pour fonctionner en carburateur avec une pompe mécanique et à très faible débit. On a juste un tube qui plonge dans l'essence. Et ce qui se passe, c'est que si on n'a plus beaucoup d'essence dans le réservoir et en virage, l'essence part d'un côté ou de l'autre et on aspire de l'air. Et quand on aspire de l'air, ce qui se passe, eh ben, c'est qu'on injecte pratiquement plus d'essence dans les cylindres, donc des à-coups, et surtout un mélange trop pauvre et qui est néfaste pour le moteur. Donc là, j'ai enlevé la roue de secours, le cric et tout le bordel. J'ai donc, je pense, installé le réservoir tampon et les pompes de ce côté-là. Et bah, la batterie principale, je vais la mettre à l'arrière pour avoir un petit gain de place à l'avant et puis rajouter un peu de poids à l'arrière surtout. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Donc là. Donc j'ai regardé, pour accéder au tuyau d'essence, on est obligé de démonter le réservoir. On n'a pas de trou dans le plancher, sous les banquettes. Donc faut que je trouve un système pour pouvoir emmener les deux tuyaux du réservoir ici et qu'il y en ait deux autres qui repartent vers le moteur. Donc je ne sais pas comment je vais procéder. Dans un premier temps, je vais démonter le réservoir d'essence. On a les tuyaux qui viennent du moteur. Qui passent là et qui vont dans le coin. Tac, et qui devraient aller sur le réservoir. Donc là, on a le. Ça, c'est le fil pour la jauge, je pense. Ah, il y a un autre souci aussi qui va se poser, c'est que je ne sais pas comment c'est monté au niveau de la. Pour la goulotte. Ça doit être fixé. Je ne sais pas comment. Au pire, je vais le déboulonner, le descendre doucement et on verra. Jusqu'à présent, j'ai que des escortes MK4. C'est ma première Fiesta MK2, donc je suis un peu novice. Donc après, par contre, voilà, faut que je trouve un système. Parce qu'on a un tunnel au milieu qui sépare les banquettes du coffre. Je ne sais pas, est-ce que je passe par là, je traverse tout après ou est-ce que je vais. Acheminer les durites jusque là directement. Je ne sais pas. Bon, déjà, je vais mettre un peu de dégrippant sur les boulons et on va essayer de descendre ce réservoir. Bon, bah, il est déposé. En fin de compte, rien de plus simple qu'avec les quatre boulons. Parce qu'en fait, la goulotte, elle est juste rentrée dedans comme ça. Donc, ça sort bien en fait. On peut remarquer que là, c'est extrêmement neuf, comme à la sortie d'usine. Donc voilà l'emplacement. Il faudrait que les tuyaux des carburants, là, ça, faudrait que j'y fasse venir derrière et que j'en ai deux autres qui repartent. Enfin, deux du réservoir qui est derrière et ceux-là, hop. Donc là, on a la jauge. Alors, l'idéal, je sais pas, ça serait que. Je sais pas si je peux la tourner de sens pour mettre les raccords par là-bas. Faut que je fasse venir ça dans le coffre. Un tuyau de retour me paraît un peu petit, mais bon, pour un retour, ça ira bien. Donc voilà. Bon, par contre, la jauge est là, la masse, je sais pas. Si ça prend la masse, vu que c'est tout en ferraille, ça prend la masse directement. Pour la jauge. Il y a juste un fil. Bon, je vais voir comment je vais faire. Je vais réfléchir à ça pour tourner les tuyaux. Je sais pas comment je vais faire. Donc là, on peut voir que l'intérieur est propre. Je sais pas si on voit bien. Et je sais pas si on voit au fond le tube qui descend. Mais ce qui va se passer, c'est que regardez le niveau d'essence. Hop! Si il est bas et que j'arrive niveau bas et que j'arrive en virage, vous voyez, le tube est à l'air libre.
Ça, c'est pas bon. Normalement, quand on est en injection, on a un truc qui ressemble à ça. Bon, là, c'est une pompe intégrée dedans, mais qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la pompe, ça change rien. On a un truc comme ça, là. Normalement, on a, sur les voitures injection d'origine, on a de l'essence. Dans la réserve, il y a de l'essence, là. Donc là, on a vers le moteur. Et la sortie et le retour tombent directement dans cette réserve, ici. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que si on n'a plus beaucoup d'essence et qu'on arrive dans un virage, on aura toujours de l'essence dans le bol là. Et bon, à moins qu'on tourne autour d'un rond-point pendant un quart d'heure, voilà. Mais ça suffit largement. Et voilà le principe normalement. Bon, les amis, l'heure est grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous voyez là, il n'y a plus de réservoir. Il est en place. Alors, tout simplement, une lampe de merde, un peu de lumière. Tout simplement, c'est un peu la misère ce circuit d'essence. Et je pense que ça va être un circuit provisoire et dans quelques temps je remodifierai tout ça. Donc, alors les tuyaux qui vont au moteur. J'ai réussi à me débrouiller avec du tuyau rigide que j'ai pris sur un modèle plus récent de voiture. Ça va être des tuyaux nylon, un truc comme ça. Donc le retour en manche en force, chauffé. L'arrivée, vu que c'est plus gros, bah, j'ai mis une durite avec le raccord. Et pour le réservoir, eh ben, je sais pas si vous vous en rappelez, enfin, il suffit de revoir les images d'avant. Eh ben, ça sort au-dessus, hein. Donc là, j'ai tout fait passer sur le côté, comme j'ai pu. Et alors, il n'y a vraiment pas de place, hein. Regardez le travail. Et ça vient tout là. Donc là, j'ai 4 tuyaux parce qu'il y a l'autre qui est plus petit parce que c'est un rigide, il est là. Voilà, on le voit là. On le voit là. Il est là. Il faut que je finisse de fixer tout ça bien. Donc voilà, un tuyau rigide là, il reste en souple. J'ai fait des raccords comme j'ai pu. Alors le problème, voilà, c'est qu'il n'y a vraiment pas de place, c'est mal foutu. Donc on va aller voir au-dessus comment ça se présente dans le coffre. Je pense qu'après on. Enfin, je reverrai tout ça autrement. Je pense que par la suite, je vais percer un trou au-dessus. Et les tuyaux du réservoir, ils passeront dans la caisse, sous la banquette. Et puis. Puis bon, bah, le reste, je sais pas, je verrai. Je referai ça autrement mieux. Mais bon, au moins pour le moment, c'est pour les débuts, ça ira bien. Et puis mon réservoir, j'ai repris une petite santé. J'ai mis du rustol au-dessus, parce qu'il est un peu rouillé. C'est ça qu'on voit dégouliner là. Le gras là, c'est du rustol pour la rouille, mais il faut que je fasse le dessous. Donc voilà. Et on va aller voir dans le coffre. Donc ouais, j'ai peiné un peu aussi pour au niveau du réservoir, avec les tailles de tuyaux différentes, surtout le retour sur cette voiture. Le retour de carburant est assez petit. Donc voilà, c'est un peu la misère. Donc voilà. Donc là, ça sort là. J'ai mis du Shatterton en guise de passe-cloison, mais bon, c'est que ma fraise n'est pas assez grosse pour faire un trou plus gros, sinon j'aurais remis une durite autour. Donc là, il me restera ça à fixer. Donc, dans l'ordre, ça vient du réservoir. Donc l'essence va être aspirée par la pompe basse pression. Donc ça va passer à travers le filtre à essence. Ça passe dans la pompe, ça va
au réservoir tampon. Et une fois que le tout est plein, ça retourne au réservoir par là. Voilà. Ouais, bon, j'attache un peu les tuyaux, je sais pas comment. Après, la pompe haute pression qui emmène l'essence à la rampe sur le moteur. Tac, tac. Et ça part dans mon tuyau rigide. Et le retour de la rampe d'injection se fait par là. Par celui-là. Voilà. Voilà le circuit d'essence au complet. Donc c'est pareil, l'alimentation des deux pompes, je vais la faire ensemble par un relais. Ça sera sur le même circuit qui sera commandé par le calculateur d'origine. Vu que dessus il y a une commande de relais de pompe à essence, donc autant en profiter. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le circuit d'essence. Mais voilà, ça je pense que c'est provisoire. Bon, j'attacherai un peu mieux mes tuyaux. Mais je pense que voilà, ça fera les essais. Ça fera les essais de colonne de contrôle technique. Faire la carte grise, rouler un peu avec et je verrai par la suite. Je leur démontrerai le réservoir. J'essaierai de faire un truc mieux. Voilà. Au départ, je voulais filmer les étapes et tout, mais c'est un peu la misère. Donc voilà. Mais bon, les tuyaux passent le long entre le réservoir et la caisse. Je vois pas trop comment ça frotte ou quoi. J'essaie de mettre des protections, mais bon, j'aime pas trop ce montage-là, donc ça sera que provisoire. Voilà. Ça restera peut-être, ça va peut-être rester 6 mois en place, mais guère plus. Je vais y faire mieux par la suite. Donc je dédierai un épisode, donc beaucoup plus tard, sur cette modification. Ben voilà, au moins le circuit d'essence est réglé, il me restera juste donc où l'alimentation qui viendra de devant. Mais ça, on verra ça quand je ferai le faisceau électrique. Je vais vous monter 2-3 autres trucs. Donc bon, le moteur est plutôt prêt. De toute façon, bon, le démarreur, à mettre dessus, 2-3 babioles. Mais je vais pas le mettre tout de suite dedans parce que voilà, j'ai encore 2-3 trucs à voir. Bon, déjà, je vais trier, je vais faire un peu de tri ce qui sert à rien dans le faisceau électrique d'origine, et puis voilà, comme la bobine, enlever 2-3 trucs. Et je pense que le faisceau électrique, faut que je fasse, je sais pas par où, peut-être percer là ou pas, j'en sais rien, pour faire passer le faisceau moteur. Et le câble d'alimentation du démarreur, étant donné que la batterie sera dans le coffre. Il y a quoi d'autre, tant qu'on y est, vu qu'il n'y a pas grand-chose dans cet épisode. À l'intérieur, donc oui, j'ai bon, j'ai le radiateur d'XR2, je sais plus si je vous l'avais fait voir. Il y a quoi? Il y a des rotules de suspension. De la boulonnerie pour les roues. Goujon écrou, étant donné que je suis en jante Peugeot. Et là, j'ai quoi? Ah bah si, mais là j'ai des, voilà, j'ai des, ça c'est le, ah, des flexibles de frein, des cils en bloc pour le train avant-arrière, tous les cils en bloc. Et je sais pas si on voit, c'est le bordel, toute la boulonnerie. Pour les freins avant, arrière. Voilà. Le calculateur à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben avant d'attaquer les trains roulants, du coup, il faut que je commande en urgence les amortisseurs et les ressorts. Des disques et des plaquettes de d'XR2i. Bon, j'ai commande aussi. Et les étriers, j'ai en stock des XR3i. Ah, donc bon, ça va monter dessus avec d'autres modifs. Hein, j'ai des étriers en stock, autant les utiliser. Et donc voilà, donc je vais pas attaquer ça tant que j'ai pas tout.
Donc je pense que... Ouais. Prochain épisode, on va attaquer le faisceau moteur. Voilà. Donc bon, le faisceau moteur... Faut pas avoir peur, hein. C'est le paquet de fil là. Donc il y aura du tri à faire. Alors, voilà. Je sortirai le schéma et puis ce sera assez intéressant, je pense. Étant donné que pas mal ont un peu peur dès qu'on se lance dans des paquets de fil, ils savent pas trop quel fil va où. Mais je vous ferai voir quelqu'un schéma, ça va tout seul. Voilà, je fais un autre bout de faisceau là pour la rampe. Pas grand chose. Voilà. Bah, y a toujours ce collecteur d'admission. Je ne sais pas s'il va passer. On verra une fois le moteur en place. Le collecteur d'échappement, bon ça va à la poubelle. Le collecteur d'échappement, faut que je le commande aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Donc ouais, le moteur pas tout de suite dedans. Hein. Je vais attendre de profiter de la place. Voilà, il faut que je fasse le tri aussi, il y a pas mal de pièces achetées que j'ai pas besoin. Pareil, les durites d'eau, ça va tout aller à la poubelle là parce que je vais commander des petites durites silicone. Ça sera beau comme tout. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que c'est que j'en suis et ce que je voulais vous dire. Peut-être que j'ai oublié des trucs, ça m'en reviendra après. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors oui, j'avais commencé à démonter le réservoir avant les vacances, après il y a eu les vacances. Donc j'ai pas touché, et puis là on est de retour de vacances. Donc voilà, j'ai pu finir ce circuit d'essence entre guillemets provisoire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît pas trop. Je referai un truc mieux plus tard. Mais bon, pour le début, ça ira bien comme ça. Voilà. Autre chose aussi, ceux qui commandent des pièces en Angleterre, je pense qu'il y en a pas mal. Eh ben, j'ai eu la petite surprise. Donc c'était par rapport au colis des cylindres blocs de train roulant et de la boulonnerie et des flexibles là. J'ai reçu, je sais plus quand, peut-être 2-3 semaines après, une facture d'UPS à payer. Transporteur UPS, facture par rapport aux frais de douane et ainsi de suite. Donc voilà, ça n'existait pas avant. Et je me suis renseigné quand même parce que j'ai dit c'est une arnaque ou un truc comme ça, on n'en sait rien. Mais bon, j'avais bien mon numéro de colis et tout dessus. Et c'est peut-être par rapport au Brexit ou voilà, on ne sait rien, leur loi la con. Donc, je ne sais pas le base de calcul, mais bon, ils m'ont fait payer 33 euros. Donc c'est bien dommage. Mais bon, de toute façon, il y a des pièces qu'on trouve qu'en Angleterre. Donc de toute façon, je continue à commander en Angleterre. Notamment le collecteur d'échappement. Car le seul que j'ai trouvé qui irait bien pour monter dessus et qui s'adapterait bien avec une ligne que je veux commander aussi et qui serait bien au bon endroit. Au niveau du dessous du moteur, ce collecteur-là, je le trouve qu'en Angleterre, hein, donc tant pis, hein. Je vais repérer des taxes. Voilà. Donc, prochain épisode, ouais, le faisceau électrique. Donc, ça sera pas non plus, je pense pas qu'il sera définitivement en place sur la voiture, mais il sera prêt à être monté, quoi, en tout cas. Donc, voilà, je ferai un épisode là-dessus. Et je pense qu'après, on va attaquer directement le. Ben, je sais pas, les trains roulants, si... Ben non, c'est qu'une fois que j'ai remis le moteur, je pense. Bon, on verra à la suite comment ça viendra. Je vais recommander quelques pièces et puis ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, on va attaquer le faisceau électrique. Prochain épisode. Allez, sur ce, j'arrête de blablater et à plus.